Eh bien, salut à tous, c'est MadGeek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les Digi, donc enfin, les tutoriels un peu sur les Digi, on va dire. Et aujourd'hui on s'attaque au Digi 19 Valorian, donc c'est le deuxième que je fais. Je le trouve sur le S1 avec mon War S1 qui est full 0. C'est un peu galère, et là, donc là je viens de finir les quêtes et on va la prendre tout de suite, la quête. Je démarre la musique. Hop. Donc une musique un peu embonçante, un peu calme. Hop, quel brilleur dans ton sac, qu'as-tu à l'intérieur? Hop. Et donc là, il m'a passé conversation avec Olivier. Hop. L'intervalle, ouais, blablabla, gobelin, oh, attends, énorme, énorme, amazing. Et hop, on est parti donc pour la quête, tout de suite du DJ level 19. Donc il se trouve aux mines oubliées, il me semble. Je suis pas professionnel de Valorian. C'est un de mes plus grands défauts. Et ça m'embête en fait, parce que je connais pas tout sur le jeu. Donc pour ceux qui suivent un peu toujours l'histoire, vous allez remonter dans le passé pour sauver Valorian, pour sauver votre faction. Et là en l'occurrence c'est le Templier Noir qui s'était emparé, qui avait modifié une faille dans l'espace-temps pour pouvoir contrôler toute la région. Voilà, pour faire court, pour ceux qui n'ont pas lu les quêtes. Alors que le scénario de 4S est assez drôle, hein, malgré qu'un peu tiré par les cheveux. Et vous prenez là dans les quêtes à faire pour le donjon, un moment pour construire, pour faire une popo d'invisibilité, le mec te demande un bandeau de pied d'un boss de zone. Et lui, il fait des popos d'invisibilité avec des bandeaux de pied. Comme quoi, on n'a pas tous le même niveau en alchimie. Ah là 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 là. Oh là, j'adore les petites musiques comme ça. Juste des musiques avec un peu, qui mettent un peu d'ambiance, qui mettent un peu de rythme. Et là pour les parties donc, les deux gros cons, j'en ai rien à foutre, j'en aurai d'autres sur le chemin. Hop, donc on rentre tout de suite dans la mine de cobalt, oublié. Et donc là, il va falloir faire péter ça. Voilà, hop, ça a explosé et vous pouvez rentrer dans la mine de cobalt. Donc. Hop, donc je passe les mobs, je trace, je ne perds pas de temps. Mob dans le mur, normal. Donc ce donjon il me semble a aussi été refait, mais ça je ne sais pas parce que je ne connaissais pas l'ancien. Et donc là c'est vraiment pas très compliqué, hein. Pour l'instant vous tracez tout droit. Hop, vous faites péter à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça. Plus besoin de descendre de là. Voilà. Il est plus simple que celui de Derion, enfin moi je l'ai trouvé plus simple en tout cas. Mais par contre j'adore l'ambiance du Digi, hein. Vraiment, je trouve que la mine et l'ambiance mine est bien faite, en plus ça me fait un peu penser à ce que vous pouvez retrouver sur du Aion, peut-être en un peu moins beau c'est vrai. Mais dans le style, ouais, ça me... ce que vous pouvez retrouver aussi dans du WoW. Alors... c'est pour vous montrer la map du DJ, il est pas très grand, le boss est là il me semble. Ah non il est là. Hop. Allez vous me faire chier. Alors le savoir que le temps d'un scène vous avez le temps de faire péter les trucs, ça vous permet de gagner du temps. Il me semble que je l'ai one shot en un cri malgré ma petite hache. En voilà pour mon stuff, hein. Très OP. Même pas transférer mes bibi du VS2. Un peu la flemme. Hop, on tue le boss pour ouvrir la porte suivante. Hop. Hop. Et hop. Je ramasse le boss aussi, un truc à ramasser. Pour l'instant, il n'y a rien. Et on continue, donc là on a tué le premier gobelin hôte de Capac, on va aller vers le Orc hôte de Birambar. Et après le boss unique qui sera le Templier Noir comme dans le Digi Derion de toute façon. Les quêtes sont vraiment pas très éloignées. Donc juste vraiment, si vous avez juste à faire mon parcours, mais maintenant c'est vrai qu'avec le GPS auto, le tutoriel est peut-être pas nécessaire, mais si je le fais c'est pour aider les gens ou pour les gens qui aiment bien regarder mes vidéos comme vous voulez. Pour ceux qui se demandent où je trouve mes musiques, et ben c'est un secret.
Voilà, comme ça vous êtes dégoûté, quoi. Tout simplement. Non, mais c'est, je vais pas le lire parce que c'est un peu compliqué et j'aime bien qu'il y ait que moi qui ai des musiques un peu calmes comme ça. Je sais pas, je dirais pas que c'est un secret de fabrication, mais quand même. Après, par contre, les musiques plus techno et tout ça, ça vous pouvez me les demander, je vous les donne. Une musique où il y a des paroles, où c'est des chansons. Et les musiques, voilà, comme ça, ambiançantes, non. Pas qu'elle soit surutilisée sur YouTube. Alors par contre, si des fois vous entendez les voitures passer, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre. Parce que en ce moment en France il fait chaud et il fait beau. Limite atteint 31, moi je habite dans le sud à Bordeaux et j'ai atteint 31 degrés il y a deux jours de cela. Donc on aère un peu les champs, ça fait pas de mal. Et hop, la porte a été ouverte avec une explosion. Puis au moment où tu tues le gobelin, toujours le hasard qui est magique dans ce jeu. Et donc là, on a fait la deuxième partie là, de la quête, tuer l'orque Birambar. Maintenant, on va aller tuer le Templier Noir. Templier Noir qui se trouve ici, dans la dernière salle. Il faut savoir que là, il y avait deux chemins. Moi, j'ai choisi celui-là. Du fait qu'il était plus joli, c'est tout. Voilà, on tue le Templier Noir qui a une très belle épée, d'ailleurs. Oh, j'ai mis le break. Mais c'est pas grave. Et je suis tellement... Ah, putain, toujours plus de stunt et de ralenti. Ah, voilà. Vous ramassez toujours sur le mob du donjon pour avoir le morceau de manifeste qu'on vous demande. Comme ça, vous avez fini votre quête. Vous tuez Aaron pour drop... pour peut-être drop une pierre philo. On ne sait jamais. Donc Aaron, voilà, qui repop toutes les 40 secondes, il me semble. Juste à faire le compteur, hein, c'est pas très long. Hop, rien de rop, c'était pas grave. Ouais, faut quand même finir de nettoyer la zone. Ah, je sais que c'était quand même plus efficace avec l'assassin, mais bon. L'assassin, il est pas valaïa. Hop. Donc on va aller rendre la quête, on va tout faire ensemble, et comme ça sera fini. Et vous aurez eu les deux premiers DJ19 et après il faudra faire les 29. Qui commenceront à être galères sur le War. Sans hache, je vais me faire caca dessus. Enfin, je trouve quelqu'un pour m'en prêter. Une petite hache de level 11. Enfin, une petite hache plus 11. Faut que je tape un peu. Hop. Hop, voilà. Ça, c'est fini. Hop, on est reparti, donc là vous allez devoir retourner voir Olivier, il me semble, ce bon monsieur. Hop, ce n'est pas Olivier, si c'est Olivier, c'est ça. Si c'était pas lui, je pensais que ça serait Claude. Hop, ouais, c'est parti. Donc j'espère que ça vous sert. Alors pour ce qui est de l'histoire des six dieux, je vais le dire en vidéo, j'essaie de le répéter dans beaucoup de vidéos pour que les gens le trouvent. Je suis désolé, en ce moment on a des problèmes pour trouver les acteurs, tous les épisodes sont écrits, et donc si un jour j'ai le temps et je trouve des gens, je les tournerai, comme ça vous aurez une fin à cette histoire, parce que c'est vrai que l'histoire est vraiment, je pense, intrigante, et je suis désolé de l'avoir laissé en plan. Alors que mon Capitaine Prince, c'était assez différent, on va dire que on n'avait plus forcément d'idées, on n'avait plus forcément de temps parce que lui avait des examens, il me semble. Et donc en plus il est en fac, donc il fait un capitaine, hein, je parle bien sûr. Donc il avait beaucoup moins de temps à passer sur le jeu que je pouvais en avoir, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de partir sur ma propre série. Finalement c'est dire de trouver en fait 6 personnes qui sont co tout le temps, qui sont les bonnes classes, qui respectent les bonnes conditions, enfin qui sont 93. Enfin bon, ça fait beaucoup de choses. Mais je pense sur le S1 je pourrais trouver une petite team comme ça. Ah, il faut que je sélectionne une récompense. Titre de voyageur dans le temps, ça c'est cool. Mais moi j'aimerais bien une épée de mort. Voilà. Comme ça je pourrais taper plus fort. Et voilà, donc j'ai gagné mon titre en plus. Génial. Complètement, je suis complètement trop content. Je suis trop lol de bonheur. Et regardez, en plus j'ai une nouvelle épée. Le Rox du Poney, hop, voilà, c'est ma nouvelle épée, et donc on se retrouve pour
une prochaine tutoriel ou peut-être un peu de PVP, même si le PVP est un peu mort pour l'instant parce qu'il n'est pas équilibré sur le S2 et c'est assez dur d'en trouver du sympa à vous montrer. Et même sur le S1, j'aimerais bien avoir un perso pour faire un peu de PVP, mais tant pis. Salut à tous, c'était MadGeek, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous.